mon ami, sèche tes lames. Écoute ce que l'Éternel a dit dans Joël 2, du 18e au 27e verset. Samedi 21 septembre 2024, à 9h, sur la paroisse Saint-Raphaël d'Adido Gomuyokwe, le siège de l'Association des femmes chrétiennes célestes du Togo Golf 7. Chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision web Alléluia Monde, soyez les bienvenus dans votre émission Direct et Culte. Je suis Corneille Gavon. Les devancières, les choristes de différents rangs ont répondu à l'invitation de la journée internationale de la femme chrétienne céleste. Oui, le président d'organisation de cette journée, le vénérable suprême évangéliste Wuli Mbassé Marus Nicodème, assisté du suprême évangéliste Sagbo Cosme, ont réussi l'organisation de la journée internationale de la femme chrétienne céleste, c'est au Togo. L'association des femmes de l'église du christianisme céleste au Togo, AFECTO, ont bel et bien aussi répondu à cette invitation. Comme nous le disions, tout s'est déroulé à 9h précise sur cette paroisse. La conduite fut faite par le suprême évangéliste Adjoï Gédéon, chargé de la paroisse Visage de Dieu d'Agoué, Télésou. Chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision web Alléluia Monde, oui, cette journée, c'est une journée décrétée par le Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste Porto Novo. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois de septembre de chaque année est un mois sacré de l'Église du christianisme céleste. D'ailleurs, le mois dans lequel l'Église a vu le jour. Merci beaucoup. Sur ce, le révérend pasteur Adéogun Benoît Akande, avec son comité du Saint-Siège, ont décrété tous les troisièmes samedis du mois de septembre comme journée internationale de la femme chrétienne céleste. Nos chères mamans ont répondu à cette journée. Ce fut une journée très marquante. Chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision web, Alléluia Monde, à l'enregistrement, vous avez votre frère Junior. Oui, Junior a assumé l'enregistrement de ce culte ce samedi 21 septembre 2024. Nous allons noter la présence des hauts dignitaires du diocèse du Togo, notamment le premier vice-président du comité directeur national, le vénérable suprême évangéliste Adjabli Augustin Ayawo Maounio. Oui, d'ailleurs, c'est lui qui a donné la nourriture sainte, bref, la prédication. Nous allons aussi noter la présence de nos chères mamans, la présence des présidents sous-régionaux Golf et sous-régionaux d'Agouenivé. Alléluia, miyabe didi pengpo moto, les radios télévision web, Alléluia mon didi, miyawe son, vado émission qui dit mi d'ankorobe direct culte, miyawe sibirike mi lekwe nene, mi lekpo miyano, o le abachon dodo toche ome, nuke le jo, mi le paroisse Saint-Raphaël Adido Gomme, so yokwe be anik banchi, ni so même lenda, be le tri asi le kegwe abe kikibla vivoni ke, wana gende kwe me vaba sibirike miyoko ta minye nene benam, et même les là et ton roi les pelletri assis de kede pipé mea révérend pasteur Benoît Akande a dit au goût que l'ennemi christianisme céleste verra dit pour la les saints siège alors et haba hon kadia et de nene ben ke kado go ben les tri assis de kea me les tri assis de kede pipé les pia me les mea même les là et ton roi dia mea no non non et la nuit ben ke kede do fou nyaoui nyaoui ke kede do fou y'a eu pas les tokou bani mandi ni son ami à nos yeux maman ganganga au point vous mais les petits à mais les parents c'est la peine sous à dire comme il y a pas mais à n'y pas dit quoi mais toi quoi mais n'y est y à ça et dit pourquoi bien quoi maintenant golf c'est golf région golf mais maman
pour les régions agouènes, les mamans, pour les mamans, vous va les nebés azan et azan et ils vont coller. Les nebés, non, non, nous étamés. Les azan, bédi, imea. Mien, non. Vénérable supérieur, maman, c'est mes connards Elise. Et on en a tombé dans les nebés pour vous. Et dit, 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 et voilà les bénois, il y a les bénois et quoi mes papas les disent, mais maintenant on dit, à quoi t'en rêver, à quoi gono, et il y a mes ladonas, il y a mes mamans. Il y a la bonne amie, il y a mes azambes tato, alors mes kélés présents du comité d'organisation, vénérable suprême évangéliste Woli, mon basse Nicodem Maru, c'est kélés paroisse Saint-Pierre, yokwe, bé, et pas dit potoa. Et non, il y a mes menaces, au coup de mes pérennités, kélés suprême évangéliste Cosme Sago, quoi quand on nous dit, mais les bazans ils sont, il y a la bonne amie. Pour les régions, il y a des pour les bas sans l'eau. Il y a des bas sans l'eau, il y a des régions AV. Régions AV. Il y a des bas sans l'eau, 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 il y a des bas sans l'eau. AV, que vous passez les AV venus toi, mais vous pouvez dire que les bas sans l'eau, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Délégation de CCN, elles sont l'homme. Et au Yido, les nebés avaient nous tombé. Ben, pour vous, les nebés azan. Mais bien, vous avez azan, pour vous donner, qui est qu'on est azan béni, ben azan béni. Il y a une journée internationale. Dans les régions, quand on est, les nebés on a eu, et bon, et mes baba. Les Séraphins, yo kwebe animadia, y a nos vies juniors, qui on a donné à l'élu à mon lit, et non, nebé tepe, et on a mis tata, yo sovanami, mito akwenami, azan bokwanami. Des pays à mille et mille et mille d'années, nous nous nommons son fiomi, son comédia, soyez deux et nous ouvrez à Pati. La voix de la dernière balle, sans vous, sans nous, il est alléluia, mon lité. Nous dit la yomia, n'est numéro, olé, vidéo, gomméwa, à Benami, yombe cornet pour Gavon, et Isabé.
Thank you.
Thank you.
de la lumière. Thank you.
Oh,
des ateliers et des ateliers de développement de complémentaires. Des ateliers de développement de compétences. Des programmes de microcrédit pour les femmes qui souhaitent lancer leur propre entreprise. L'AFECTO organise en son sein des enseignements bibliques et des sections de prière pour aider les femmes à approfondir leur foi. Nous croyons fermement que les connaissances des Écritures est essentielle pour renforcer notre spiritualité et notre engagement en vertu. Nous offrons un soutien moral et physiologique aux femmes confrontées à des défis personnels, une attribution destinée aux conseillères afin d'aider celles qui traversent des perpétuités de la vie. Moments difficiles, problèmes de la famille, du foyer et des dépressions liées aux difficultés financières et de la vie. Sur chaque paroisse, l'AFECTO organise des activités pour renforcer la solidarité entre les femmes. Cela inclut des ateliers de cuisine, des séminaires sur la gestion financière de journées de prière. Nous travaillons à créer des réseaux de soutien entre les différentes paroisses pour que les femmes puissent partager leurs expériences et s'entraider. Nous organisons également des conférences régionales pour discuter des défis spécifiques aux différentes communautés. Au niveau de la sous-région Offset, l'AFECTO s'efforce d'influencer les politiques locales en faveur des droits des femmes et de l'éducation des femmes et jeunes filles en collaborant avec les autorités locales pour améliorer l'accès à l'éducation et aux services de santé pour les femmes. L'AFECTO organise des sessions de sensibilisation sur la santé reproductive et offre des ressources pour aider les jeunes mères à poursuivre leur éducation et subvenir aux besoins de leurs enfants. Une femme chrétienne céleste graduée doit être un modèle de vertu et de piété. Par son comportement, elle inspire les autres membres de la paroisse à suivre les engagements de l'Église
à vivre selon les valeurs chrétiennes. Elle doit être un exemple de foi, de charité et de dévotion. En conclusion, le parcours de la femme dans notre Église pour devenir une maman modèle et gradée est un voyage de foi. Merci. Bien passé, Thérèse.